C'est Pink qui rampe. Bonjour. Maman. J'ai très peur. Ah, un cahier. On la voit dans l'angle. Attends. Je l'entends, maman. T'entends quoi? Non, pourquoi viens vers moi? Venez mourir là-bas. Vous l'avez menté. Oh là là, maman. C'est pas la même. Ah, elle a pondu un œuf. C'est très bien. Maman boui. Ah, belle maman. Oh, où êtes-vous? Oui. Lunch lady. C'est la cata. Elle est en bas, maman. Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Super Max Family. Merci du fond du cœur. Comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Oui, j'étais chez le coiffeur, ça y est, c'est la coupe d'été. Bientôt à la rentrée, mais moi je fais la coupe d'été maintenant. Ça va me durer 6 mois, ça va repousser, vous inquiétez pas, c'est ici la famille. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour faire une toute nouvelle vidéo sur Lunch Lady. Vous le savez, on avait déjà fait une vidéo sur ce jeu d'horreur avec la dame de l'école vraiment méchante et horrible qui nous traumatise et qui nous fait peur. Et aujourd'hui en plus je vais le faire avec Pink Swan. Oui, je ne serai pas seul, Pink Swan sera là avec moi, on va être tous les deux dans les couloirs du lycée pour essayer de récupérer des pages sans se faire attraper par la méchante dame de service. Ce jeu fait très très peur, mais c'est très très drôle, surtout avec Pink Swan qui crie, vous allez voir, vous êtes pas prêts. Si vous me suivez sur Max Gaming, vous avez déjà vu Lunch Lady avec Victor et Pink et vous savez à quel point c'est super cool et super drôle. Avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer, Aujourd'hui j'aimerais vous montrer un truc rapide mais sympathique et trop cute kawaii. Puisque la vidéo est déjà longue, il s'agit des cartes Animal Crossing spécial Sanrio en collaboration avec Sanrio. Vous savez hein, les créateurs de Hello Kitty. Carte Amiibo pour faire spawner des personnages de Hello Kitty dans le jeu Animal Crossing. Alors c'est sous la forme d'une pochette surprise comme ça, mais en réalité il n'y a pas vraiment de surprise puisqu'il y a à l'intérieur de chaque paquet les 6 cartes de la série Sanrio hein. Ils ont été cool pour une fois hein, ils nous ont pas fait acheter plusieurs paquets pour avoir toute la collection. Donc je vais l'ouvrir avec vous, je l'ai depuis quelques mois maintenant mais je l'avais pas encore ouvert. C'est toujours en vente mais c'était un peu dur à trouver à un moment donné. En plus je vous avoue j'ai un peu abandonné Animal Crossing, donc ce sera l'occasion pour moi de m'y remettre, de refaire mon île etc, puisque je l'ai un peu laissé en jachère depuis à peu près un an, donc je sais pas ce qui se passe. À mon avis sur mon île il y a des fantômes hein, voilà. Donc je vais ouvrir et on se retrouve pour montrer les cartes. Et voilà, ça y est, c'est déballé. Le sachet est ici. En première carte, Toby. Je sais pas ce que c'est. Un lapin. C'est un lapin, visiblement. Alors, on a en plus du personnage, apparemment, des objets exclusifs. Ici, un petit bonhomme de neige dans une petite boîte. Enfin, voilà, je vais pas tout détailler à chaque fois, mais style japonisant à chaque fois. Ça, c'est une puce Amiibo. Vous la placez sur la console, la Switch, et c'est reconnu. Et les bonus arrivent dans le jeu. Chelsea, avec, voilà, un ensemble plutôt cœur, rose, rouge. C'est une girafe. Apparemment, hein, c'est une girafe, c'est la numéro 5. Nous avons Chai, qui est un éléphant bleu, très dans la gourmandise. Hein. Alors lui, vraiment, regardez le service à thé, les petits gâteaux. Pour l'instant, c'est mon préféré, Chai. Hein. En même temps, Chai Tilaté, j'aime beaucoup. Oh, étoile, c'est un mouton, très mignon, dans le mood arc-en-ciel, les rêves, les nuages, les étoiles, c'est magnifique. J'hésite maintenant. Hein. Nous avons Marty. Alors c'est un ourson, plus en côté aussi gourmandise, hein, mais plus miel chocolat. Quoi, on va dire, très joli. Et nous avons Ria qui est un hippopotame et qui elle pour le coup est vraiment fan d'Hello Kitty parce que regardez, nous voyons que tout est au thème de Hello Kitty avec bien sûr hein, la forme du chat et le nœud rouge. Et voilà pour les 6 cartes, très joli, très mignon. Mon préféré c'est Chai quand même parce qu'il est bleu, elle a quand même la gourmandise et j'aime beaucoup le côté multicolore aussi qu'il y a ici. Donc moi mon préféré c'est Chai, mais vous dites moi dans les commentaires quelle carte vous préférez, quel personnage, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Je voulais vous montrer ça, c'est toujours disponible. Back to the video. Et maintenant, il est temps de lancer le générique. Un énorme merci grand comme ça pour tous vos commentaires. Et d'ailleurs, il est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente. Et les commentaires viennent de cette vidéo. Il s'agit de la vidéo où j'avais fait n'importe quoi sur les modes de How to Eat, de Ice Cream 4 et 1. Oui, on avait refait le Ice Cream 1 et ça c'était cool. Le premier commentaire vient de Narimen Osmani qui me dit: Max, t'as zappé un truc, les portes où il y avait un X, t'as pas tenté de rentrer dedans? Oui, c'est vrai, il y a plein de choses que j'ai dû oublier sûrement dans ces modes là. Je suis super content que vous me donnez vos suggestions, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse dans le mode How to Eat, si vous voulez que je fasse une armée de rods, si vous voulez que je les écrase,
phrase. Voilà, vous me donnez vos idées et peut-être qu'on pourra faire une vidéo où je reproduis les idées de mes abonnés sur les modes outwit de Ice Cream. Ça peut être cool, non? Le deuxième commentaire vient de Anna Midorigawa qui me dit 3ème fois mais bravo pour les 600 000 abonnés. Merci, merci. C'est à vous en fait hein, que je dois tout ça. C'est en fait c'est vous les merci parce que c'est vous qui vous abonnez. Donc merci à vous en fait, voilà, c'est tout, c'est simple à comprendre. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le. Si vous n'avez pas de compte, je sais que vous avez beaucoup à ne pas avoir de compte. Vous pouvez créer un compte très facilement sur YouTube, c'est complètement gratuit, vous n'êtes même pas obligé de donner vos vraies informations. Et comme ça, vous pourrez vous abonner, recevoir les alertes, les notifications, ne rien rater, commenter. Oui, parce que sans compte, on peut pas commenter. Donc voilà, je vous encourage à créer un compte pour vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Et le troisième commentaire vient de Miss Jedizor, qui est membre de la Silver Max Family. Merci à toi, Léa. Oh my god, le pauvre ourson, il est avec Annabelle et Billy. Tu as osé le laisser seul, j'espère qu'il va bien. Alors, il va très très bien. En fait, j'arrive à communiquer avec lui par la pensée télépathique. Et alors, c'est lui déjà d'une qui m'a demandé de le laisser seul. Hein, voilà, monsieur voulait son indépendance, monsieur voulait l'appartement pour lui tout seul. Je croise les doigts pour que tout se passe bien hein, et qu'il ne fasse pas des fêtes avec ses amis figurines et Billy et Annabelle. Je vais rentrer chez moi, ça va être l'enfer. Il va bien, j'ai des nouvelles régulièrement, tout se passe bien pour lui, il est tranquille et il a très très hâte de vous retrouver et vous lui manquez beaucoup. Et en attendant, nous avons le petit cerf. Merci pour tous vos commentaires, n'hésitez pas à en laisser un dès maintenant ou à la fin de la vidéo bah, pour une prochaine lecture de commentaires hein, ici en bas. Maintenant, on va se téléporter nulle part pour faire le jeu Lunch Lady. Suivez-moi, let's go! Ouh, ça y est, je suis assis au même endroit. Le petit cerf, il est là, il va nous accompagner. Il est pas prêt, hein. Entre nous, il va avoir très très peur. Et bah le jeu se passe sur PC. Je l'ai acheté sur Steam, il coûte une poignée d'euros, 3, 4, 5, je sais plus. Il ne se joue pas à la manette, il se joue au clavier. Je vais y jouer sur mon Aorus 17G, mon super PC portable que j'adore. Je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo. N'oubliez pas de laisser un max de pouces bleus. C'est parti avec Pink Swan, let's go! Et voilà, nous sommes dans l'écran d'accueil de Lunch Lady, la madame méchante du lycée. Et alors, avant de commencer à jouer, je vais bien sûr vous présenter Pink Swan à l'audio, qui est là avec nous aujourd'hui. Elle est connectée, attention, 3, 2, 1, coucou Pink Swan! Hello! Ouh, oui, vous l'entendez, elle est là! C'est quand même beaucoup plus rassurant hein, de faire ce jeu à deux que tout seul. Et parce que, vous l'avez déjà vu, j'avais déjà fait une première vidéo là-dessus. Vous le savez, c'est un jeu flippant, n'est-ce pas, Pink? Un peu beaucoup. Oui, un peu beaucoup. Vous allez voir que la dame, elle est pas commode. Si vous ne connaissez pas le jeu, attention, accrochez-vous, hein. Regardez sa bande noire avec des écouteurs. Donc, je vous rappelle la règle du jeu, trouver 10 feuilles et s'en aller. Mais bien sûr, ça sera pas aussi facile que ça, puisqu'il faut trouver des clés, faut s'échapper, faut se cacher, et les pages sont cachées un peu partout dans la map. Oui, on apprécie. Donc on y va. Je vais créer une partie en ligne, hein, puisqu'on va jouer ensemble. Je vais créer le lobby. Donc ça y est, ça crée le lobby. Et normalement, je vais pouvoir inviter Pink Swan sans problème. Voilà, je vais inviter des friands au fromage et j'invite. Ça y est, avez-vous reçu l'invitation, Madame Swan? Yes, j'arrive. Parfait. La technique, la technologie, ça fonctionne. Mais en ce moment, c'est fluide, c'est cool. Donc, je vais prendre le monsieur avec son pull. J'aime beaucoup. Beaucoup, non. Et juste que c'est le moins pire. Et voilà, il y a Pink Swan. Ah ouais, ce petit bouton, ça fait kick player. Je peux l'éjecter de mon lobby. Je vais pas. Mais non, bah voilà. Bah, allez. Alors, on va commencer par faire la première map. La map de base, c'est Crooksville Dune High. C'est parti. Start game. Êtes-vous prête, Madame Swan? Êtes-vous toute ready? Non. Non. Non, non. Elle n'est pas ready. Bon. Je vais bien hurler, mais bon. Ah oui, attention aux oreilles. Hein. C'est pas de l'ASMR aujourd'hui, je vous le rassure. Lunch Lady. Difficulté normale? On peut pas choisir facile. Non, c'est normal ou tout de suite extrême difficile. Donc voilà, hein, trouver... Enfin, voler 10 pages. Ah oui, en fait, on est des petits brigands, des petits tricheurs, parce qu'on doit trouver 10 pages de réponses de test. Parce qu'en fait, on n'a pas révisé, donc en fait, voilà, on est un peu puni par la Lunch Lady. Hein. Donc c'est parti. Il y a une personne qui a spawné dans la partie. C'est vraiment archi-méga creepy. Ça recommence. Je suis pas bien. Pourtant, j'ai invité personne. Pink est là, c'est elle, la madame avec son t-shirt blanc. Et c'est parti pour la quête des clés, la quête des pages. On y va. Vous le voyez, c'est quand même assez sombre, hein, donc ça met dans l'ambiance direct. Mais voilà. Pour l'instant, on n'a rien. Alors, tu es là, tu n'as rien trouvé, alors on avance. Non, je cherche. Alors, vous le voyez, on est dans un vrai lycée américain. Hein. Les distributeurs de boissons ici, à mon avis, c'est pas de l'eau. Hein. Et des petits snacks, des petites chips. Et pour l'instant, on n'a pas... Quoi? Elle est là? Ah oui, elle est derrière Pink. Oh non! Ah bah voilà, ça commence. Oh, elle a été touchée. Oh la vilaine. Alors, bon, alors attends, il faut que j'arrive. T'as pas de medikit? Eh ben non, j'ai pas eu le temps. Alors, particularité du jeu, on peut porter un medikit à la fois, chacun, qu'on peut soit utiliser sur soi, soit utiliser sur les autres. Donc là, ma quête, c'est d'aller trouver un medikit pour Pink. Sachant que je suis seul. Si je me fais attraper, c'est fini la partie, elle est finie, il faudra recommencer. Et oui! Ah, oh, j'ai une clé. Ah, oh, j'ai un cahier.
Bon, écoute, ça commence bien, mais j'ai pas de medikit, hein. J'essaye. Là, je suis dans la toilette, je vais essayer de sortir parce que sinon, ça va être un cul de sac, un petit cul de sac. Alors... Pas de medikit là, pas de medikit. Il y a rien dans les toilettes et il y avait rien dans les vestiaires. Super. Je sais même pas quelle clé. Ah oui, la C. Écoute, je vais aller au LOSC. Surtout, toujours laisser les portes ouvertes. Ah, un medikit, je vois, dans les casiers rouges. Ah, bah pourtant j'y suis allée. À côté du... à côté du distributeur. Je m'arrête. Regardez, c'est Pink qui rampe. Bonjour. Tu le veux, hein. Regarde, je l'ai pris. Oui. Allez, salut. Donc, je vais continuer. Je vais trouver les clés. Je rigole. La pauvre. Allez, on utilise le medikit sur son compagnon. Et comme ça, il se relève, regardez. Oh. Voilà. Merci. Elle peut reprendre l'aventure. En toute tranquillité. Ne pas se faire rechoper. Je vais lui fermer la porte au nez. Bien mais rigolo. Oui. Moi, je vais chercher un medikit pour moi quand même. Et puis ouais. Les clés. Donc, j'ai ouvert le hall OSC. On a une page, il en faut 9. On apprécie. Ça, c'est ouvert normalement. Voilà, merci beaucoup. Alors, sachant qu'il peut y en avoir partout sur les chaises. Non, j'ai cru. Dans le couloir. Bah, voilà, faut vraiment négliger aucun endroit. On avait fait une partie sur Max Gaming. On était passé trois fois devant une chaise avec un cahier dessus. On l'avait jamais vu. Comme quoi, hein. Ah oui. Ah. Et doudou. J'ai très peur. D'ailleurs, racontez-nous dans les commentaires si vous avez des anecdotes avec des dames de cantine ou des dames des surveillantes et tout. Méchante. Racontez-nous ça, je suis sûr que ça existe. Oh, j'entends crier. Dans ce cas-là, il vaut mieux éteindre la lampe. Attendre un peu. Prier, serrer les fesses. Maman, on peut s'accroupir ou pas dans ce jeu? Non, on peut pas. Non. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ici? Rien. Ah! Et de toi, oui, hein, super, hein. Je suis en forme aujourd'hui. 3, pas de clés. En plus, les clés, c'est plus dur à trouver parce qu'elles sont toutes petites. Et des fois, on les voit pas avec le rayon de la lumière. Là, on a quoi? Une imprimante. On est ravis. Un bureau. Non, mais attends, j'ai pas croisé un seul medikit depuis tout à l'heure. Ah oui, oui. J'en ai un, c'est bon. J'en ai un. Pourquoi j'en ai un? Bah écoute, je t'ai vu avec. Mais qu'est-ce que c'est que cette satanerie? J'en ai... Elle écrit. Maman. Oh non, il faut la clé bleue, la clé B, pas la clé bleue. Normalement, si tu as la petite croix... Bah oui, je l'ai, mais c'est très étrange parce que je te l'ai donné, le medikit. Peut-être parce que... Ah bah, je sais pas. Parce que là, j'en ai retrouvé un, donc du coup, moi, c'est bon, ça y est, je suis safe, hein, si jamais je peux me pas trouvé depuis, qu'est-ce que c'est? Ou alors, voilà. Comme tu m'as soigné, du coup, t'en as eu un... C'est très étrange, cette histoire, mes fées. Parce que moi, je te vois avec un medikit, hein. Ah mais écoute, tant mieux. Ça, c'est la madame que vous entendez. Elle est pourrie. La madame sympathique qui nous crie dessus alors qu'on n'a rien demandé. Non. Là, j'ai fait... Bon, alors, faut aller par là. C'est un labyrinthe. Mais un labyrinthe qu'on peut apprivoiser. Ah, un cahier. Pourquoi je l'entends? Je l'entends tellement proche. Oui. Les cris. Ah non, mais ça, c'est trop drôle. Pitié. J'ai peur, maman. T'es où? Dans une salle, dans le noir. Oh, on n'avait pas vu cette salle. Oh, j'ai la clé B. Ah bah oui, j'ai déjà un medikit, il me dit. J'en ai trouvé un autre. Je suis près de la porte. T'es près d'où? Attention. Ah, bouge pas. Il faut éteindre la lumière. Regardez, c'est Pink, elle est là. J'ai peur, maman. On la voit dans l'angle. Éteins. Elle est pas loin. Je l'ai vu passer. On est là. Moi, je fais des signaux de lumière. On est là. Oui, bah écoute, hein, si le jour n'arrive pas, t'en es pour toi. Hein. Coucou. Bonsoir. Nuit. Jour. Nuit. Nuit. Jour. Bon, là, on y va. Bon, bref. J'ai la clé B. On va pouvoir aller par là. Yes. Alors. La clé B. Voilà. Je te suis. C'est ouvert ici. Bah, c'est tout. Je l'entends, maman. T'entends quoi? Le loup, le renard et la belette? Oui. J'entends le loup, le renard et la belette. Ah mince. Et bien sûr, j'arrive devant une porte qui ferme la porte du principal, bien sûr, hein, c'est pas drôle.
Le hallway à 1, cette pièce, on n'avait pas vu. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben rien du tout. Formidable, maman. On apprécie d'avoir des pièces vides. Attention, parce que sur les classes, les tables des élèves, il peut y avoir aussi des choses. J'ai vu un medikit. Ah. Je sais que c'est là, mais bon, du coup... Quelle heure il est? Il est medikit. Pardon. Fais ce qu'on veut pour se rassurer, hein. Oh, c'est... ça me tend, ce jeu. Ouais. C'est vrai que l'ambiance est particulièrement soignée, hein. Et c'est particulièrement creepy, hein. On a la vilaine madame qui est là. Bon, il y a rien, y a généralement pas grand chose dans les toilettes, hein. Bon, continuons. Par la classe. Ah! Bonsoir. J'ai eu peur, je lui ai fermé la porte au nez. J'ai paniqué. Méchant. Un gros vilain. Non. Strictement rien ici. Là. Je suis pas bien. La 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 la. Par là. Oh, je l'entends. J'entends la madame. Elle fait. Bon, et là, je peux ouvrir ou pas? Oui. Bon. On a dû passer à côté de certaines clés. Il faut trouver absolument la clé des escaliers. Ça, c'est très, 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 très important puisque ça débloque deux étages. Juste ça. Rien que ceci. Donc, trouvons la clé des escaliers, s'il vous plaît. Je suis paniqué. Je suis mais paniqué. Ce jeu me tend. Mais... C'est un truc de... Je l'ai... Oh, bravo ! Elle était ouf, hein. Elle était dans... C'est quoi, quand même, salle, déjà ? Une petite salle, une petite salle avec un bureau, sûrement le principal. D'accord. Non. Mais je suis rentrée dans un petit couloir. je suis où maman. Ah, mais okay, c'est... Ah, ce jeu me tend, mais alors d'une puissance. Oh, elle est tendue comme un string. Je l'entends. Elle est où? Ne réglez pas votre appareil. Les cris proviennent bien d'une humaine. D'une sushi. C'est sushi. Alors attendez. Ou alors c'est où? C'est les escaliers. Et tu les laisses ouvertes, les portes, parce que sinon je pourrais pas, parce qu'en vrai... Attends, où c'est... C'est bon. Je suis dans la cantine, là, tu sais, dans le... Où elle est en... Ah, maman. Et moi je vois rien, j'entends... Ah, elle est là. Maman, elle est derrière moi. Au secours. Nanana. Ok, j'éteins la lumière, je me cache ici. Je veux rien savoir. Elle a voulu lancer un couteau, la vilaine. Non, pourquoi viens vers moi? Elle t'a choqué? Elle m'a eu. Écoutez. elle me donne un coup de poil à frire. Pof. Ce n'est pas grave, puisque vous savez quoi? Oui. J'ai un medikit dans les mains et j'en ai un autre juste ici. L'un dans l'autre, tout va bien. Je me soigne. Attention, ne pas se soigner quand elle est proche de vous. Ah non, sinon elle vous rattrape. Et je crois qu'elle est... Bon, il n'y a rien là. Ok, je me suis relevé, je reprends mes medikit et je taillote sur la moufette. Là, y'a rien. Ah! Mais t'es okay, où? Principal. En haut. Et, bon, ok, je vais voir en bas. Ah, mais non! Je peux pas, faut que tu viennes en bas! Attends, je peux pas ouvrir en bas! Elle m'a eu! Bon, qu'est-ce que je fais, moi? Heureusement que j'ai un medikit, hein! Ah oui! Alors... Ne peux pas venir! Venez m'ouvrir la porte! Attention à toi. Elle crie. J'arrive. Faut que tu viennes tout en bas. À la cantine. La cantina. Suavemente. Cantina. Pardon. Suavemente. Pourquoi elle est... Mon cœur est bas. Je l'entends grogner. En fait, je crois que l'indicateur de... Si elle est proche ou pas, c'est le cœur qui bat. C'est pas les cris. Les cris, ça peut résonner, elle peut être loin. Mais le cœur qui bat, je pense que le personnage, il sent sa délicate odeur de Lunch Lady. Parce que je pense qu'elle doit sentir un... Comment je veux te dire? Je suis dans le noir. Elle arrive vers moi, non. J'étais en train d'essayer de me soigner, mais... Qu'est-ce que je fais? Elle est pas loin, donc... Je bouge, hein. Mais en fait, t'es vers les escaliers? Mais j'attendais en bas, devant la porte de la cantine. Ah. Et toi, t'es où? Mais pourtant, j'ai laissé ouvert. Attends, bah, je suis en haut dans une salle de classe. La porte de la cantine, elle est fermée. Bon, bah moi je vais visiter des classes. Hein. Pourtant, j'ai ouvert. Elle a dû la fermer, la vilaine. Oh! J'ai pas intérêt à me refaire choper là. Il ne nous reste plus que 4, les amis. Je me soigne. Ah, t'es là-bas. Ok, bah vas-y, je descends. Ah, il faut tourner le bureau du principal. Ah non? Ah si, tu l'as la clé.
Oui. Mais c'est fermé. Viens ici. C'est fermé en haut. J'arrive. Il y a un autre escalier fermé. T'es où? Mais en haut, le troisième étage. Attends, elle est pas loin. J'ai peur. Il y a deux escaliers en fait. Maman, je sais pas très bien de rester là. Oh, elle est là. Maman. Oh non. Mais non, c'était fermé la porte. Ok. Je suis désolée. Elle est pas loin. Oh, regardez, on peut voir sous sa jupe. C'est la vision d'horreur. Je sais pas où tu es. Ah, elle a ouvert la porte. Je me perds. Elle descend. C'est fermé. Bon. Elle descend de la montagne à cheval. Bah, je suis en haut, les escaliers du haut. Ah là, là, regarde, tu vois, je rampe. Et bah là, il y avait des portes fermées. Là. Et là. Ouvre les deux. Dans le doute, il faut toujours ouvrir les deux. Voilà, et tu vas ouvrir en bas. Bon, moi, je me soigne et je vais chercher un medikit en haut. Parce que je pense qu'il y en a encore un en haut. Ok. Dépêche-toi. Là, il y en a là. Descends. Où ça? Oui, j'arrive, attends, je me soigne. Tout en bas, première porte à droite. Nanana. Ah, bah, il faut que je le prenne moi. Ah! Bah, prends-le! Toi, tu non, prends-le, c'est pas grave. Prends-le. Take it. Oh! Eh bah, elle m'a attrapé. She got me! J'aurais dû. Faut pas qu'elle me voie. J'aurais dû aller en haut. Je sentais d'aller en haut dans la pièce en haut. Faut pas qu'elle me voie. Je voulais aller en haut. Bon, écoute, je vais aller en haut. J'y vais en rampant. Et je vais peut-être trouver un medikit en haut dans la pièce. Oh, mais on peut monter les escaliers en rampant, ça c'est cool. Par contre, on voit à travers, c'est un peu bizarre. Voilà. Par contre, je pourrais pas ouvrir les portes. Ça c'est embêtant. Attends, bouge pas. Non mais c'est bon, je pense qu'il y en a un en haut. Il y a une pièce qu'on a peut-être pas faite. À droite. Par là-bas. Tire l'un des pimpons sur le chihuahua. Là, derrière toi. Ici, attends. Ici. Là, cette salle-là. Je fais au plus vite. Je me traîne comme une limace. Sauf que je laisse pas de bave derrière moi, rassurez-moi. C'est bon. Merci. Ouh. Ah, elle est là. Mais elle s'en va. Ah, mais je peux pas prendre le medikit. Ah bah oui. Alors, attends. Bouge pas. Attends, c'est quoi comme... Ferme la porte. Ouais. Attends, faut que j'allume, hein, parce que je vois rien. Okay. Coucou. Alors c'est quoi déjà? Oh pétale. Je sais plus comment on soigne. Comme ça. Comment on soigne? Ça y est. Et voilà. Prends-le. Vas-y, prends le medikit. Non, toi. Mais non, toi, je vais fouiller ailleurs, c'est bon. Je vais là-bas. Sûr? Ouais. Taïo. Cours, Maurice. Voilà, je vais aller là, je ferme la porte, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a observé cette salle? Ah, bah voilà. T'en as? Ah oui. Il faut que tu viennes. Il faut que tu ouvres la pièce du principal. Il y a souvent un ou deux cahiers là-bas. Tu la connais, la pièce du principal? Bah en fait, je suis... Viens là, tu vois. J'arrive, je cours. Cours, quoi que soit, cours. Là. Ok. Super, okay. Michel. Et là, on fouille. Il y a souvent un ou deux cahiers. Regarde. Un là. Oh, elle est pas contente. Ou une clé, peut-être. Non, bah, il y avait qu'un cahier. Bon, bah, c'est déjà ça, hein. Écoute. On en a 8, il en reste plus que 2. Je pense qu'il faut qu'on aille à la cantine. Il y en aura un. Là, il faut sortir parce que c'est vraiment un cul-de-sac. Rien du tout. Et si elle arrive là, on est fichu. Ouh. Bon, cachons-nous dans les bois. Elle est vilaine. Aujourd'hui, elle a décidé d'être vilaine, Martine. Hein. Vraiment. Et pauvre. Elle m'a fait pauvre. Moi aussi. Super. Voilà. Comment elle nous a... Ah oui, puis elle nous campe. Hein. Elle est là, regardez. Elle est vilaine aujourd'hui. Elle est vraiment archi-méga vilaine. Bon, je me soigne. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, moi, je suis enfermée du coup. Tant qu'on rampe, on peut. Elle nous attrape pas. Donc, je vais aller en rampant en bas. Comme ça, je serai en sécurité. Je me soignerai en bas. Voilà. C'est lent, mais c'est. Voilà. Allez. Non, c'est vraiment très lent quand même. Bon, allez, soigne-toi. Dépêche-toi. Faut pas qu'elle vienne, hein. Viens pas, Martine. S'il te plaît.
Pas maintenant que je me soigne, hein? Tu me laisses, Martine. Allez, maintenant, cours. Taille haute. J'espère que t'as ouvert en bas? Ouais. Tout est ouvert. Tout en bas? Ouais. Mais pourquoi c'est pas là? Je lui ai foncé dessus! Bon. Oh, la violence. La violence du cri. Ah, j'ai pas... J'ai tourné et je l'ai vu. Ah. Dans un dernier souffle, j'ai essayé de... Et de neuf. Il n'en reste plus qu'un. Oh non! Plus qu'un et on sort! C'est pas possible, allez, on y croit. On ne lâche rien. Je sais plus où je suis arrivée. Par là-bas. Oh, y'a rien. J'ai pas de médic... Si je me fais attraper, c'est fini. Autant vous dire que... voilà. Bon, bah, je pense qu'il est en haut, hein. Je sais pas pourquoi, mais... Ou alors sur une chaise. C'est sûr qu'il est en haut. Moi, je vais essayer de rejoindre la sortie. Il y a un escalier fermé. Oh non! Si! Ping, elle a peur. Oh non! Mais je suis... J'arrive. Non, c'est bon. L'autre, il est ouvert. Je vais essayer d'aller en haut. J'espère qu'elle est... Elle est là. Maman. Ah, c'est fichu. C'est fermé. Je suis en... Non. C'est mort. C'est fini. Eh oui, il y avait une porte fermée. La porte A, je crois. On n'avait pas encore la clé de... On n'avait pas encore cette clé-là. Bon. On a échoué pour cette partie. C'est pas grave, ça arrive. Nous allons faire maintenant la deuxième map. Peut-être qu'on aura plus de chance. Sachant que plus les maps avancent, plus elles sont difficiles. Voilà. Non. Préférez-vous la piscine ou la salle de sport? Dites-moi. Piscine, tiens, pour se détendre un petit peu. En plus, il y a un flamant rose. Tombe bien. Oui. Je vais vous inviter, c'est parti, j'invite Pinkswan. Et c'est parti, j'espère qu'on n'aura pas un invité mystère effrayant fantomatique. C'est vrai que quand on joue à 3, on y arrive plus, puisque on est 3, donc plus on est nombreux, plus c'est facile, je trouve. Hein. C'est normal, oui. Parce que la difficulté n'augmente pas, la dalle. Donc c'est juste qu'on a plus de chance, on peut plus s'entraider, trouver les... Là, il nous manquait une page, quoi, c'est rageant. Une petite page honnête. J'aime pas ce son, c'est... Ding, ding, ding. Oui. Maman. C'est le décompte final. C'est Vindian. Bon four, coucou. Ah, c'est bon. On y va. Il y a rien ici, bon. On y va. Il me semble qu'il y en a une ici, là. Allez, écoute, j'ai trouvé déjà un medikit. Parfait. Ah, là c'est ouvert, ok. On y va, Taïo, sur la... Bouffette. Pink était tellement concentré. Tac. Je suis pas bien, là. Là, y'a rien dans cette salle. Enfin, à mon avis, hein, mais bon, un double check n'est jamais de trop. Déjà, le cariba, là. Oh, Molo! Molo Martine! Voilà. Y'a un medikit ici! Ah, attends. Elle arrive déjà. Dans une salle... Oula. Mais éteins! Voilà, je me mets là, je l'ai entendu. Le cœur bat. Normal. Bon, écoute, on y va. Où êtes-vous? Madame Swan! Ah là là, là, ici. J'arrive. Allez! C'est bon. J'arrive même pas à viser, t'as Let's go! On y go! La psycho. Alors. Go la psycho! Oh la psycho! Bon. Ah oui! Ah oui! Une clé, alors, un cahier, le combo parfait. Bien sûr, je me retrouve face à une. Porte fermée. Une porte qui ne s'ouvre pas. Alors, nurse room, ok. Cafétéria. Non, ça c'est poule. La poule qui? Ah, elle a pondu un œuf. Nurse room. Ah, cafétéria. J'ai ouvert la cafétéria. Sauf qu'elle est. C'est où? C'est elle ou c'est un reflet? C'est un reflet. Des fois, il y a des reflets sur les casiers rouges. On a l'impression que c'est elle. C'est. Elle est là. Non, c'était elle. Taïo, je m'en vais. Ah. Je cours pour ma vie là. Nurse room, elle est fermée bien sûr. Je suis coincé. Maman. Voilà, je me mets là, j'attends. Mais non, je suis dans le noir. Allez, Hélène. Martine aujourd'hui. Elle veut plus faire de que des câlins, hein. Elle m'a cogné. Pourquoi quelqu'un a rejoint le game? Déjà? Quoi? Un fantôme? Qu'est-ce qui se passe? Bah c'est parfait, attaque la personne qui l'a rejoint. Mais là, qui rejoignent le jeu. Ah oui. Mais ils disent, qui vous? Comment ils peuvent? Parce que moi, j'ai dû inviter Pinkswan à un moment donné. Et j'ai des hi. Ils nous parlent en plus. Maman. Qu'est-ce qui se passe?
Oh. Oh le cri. Mais... mais elle est vilaine, elle est vraiment vilaine aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Écoute, il y a des gens apparemment qui ont rejoint. Attaque-toi à eux, s'il te plaît, Germaine. Merci. Ah. Elle passe de Martine à Germaine, la pauvre. Oui, bah écoute, hein. Germaine, Gertrude... Coucou, je te marche dessus, hein, merci. Oh non, ils nous prennent des medikits en plus. Et bon, bah voilà. Ben, j'ai un message, quelqu'un a pris un medikit. Bah oui, mais bon. Moulo, hein. Ah, mais ils prennent des pages aussi. Bah là, tu me diras, c'est très bien, ça nous aide comme ça, c'est là, bien. Là, je dis rien. Mais comment vous faites pour rejoindre le jeu alors que c'est privé? Je sais pas du tout. Des hackers, ils ont hacké le jeu. Non. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? Je suis en off. Rien. Oh, j'ai un medikit et je suis content. Content, il est content. Maman. Okay. Maman. C'est toi là? Ah non, c'est pas toi. Oh, mais il a pris la page. Mais moi je l'enferme, tiens. Voilà. Je l'ai enfermé. J'ai peur. Oh, la salle de musique. Mais elle a dû récupérer déjà ce qu'il y avait ici. Une flashlight. Oh, une autre salle de musique. Waouh, il y a des trompettes. Waouh, il y a des pianos, des guitares et des batteries. Il manque le triangle. Mais non, qui s'est bloqué avec moi, il va me faire attraper. Ah, c'est dommage ça. C'est un peu dommage. Attends, mais il a déjà tout regardé. Il nous manque 5 pages et il n'y en a pas ici. Mais vous oui, êtes oui. Qui, bon sang. C'est quelqu'un qui veut... Qui veut des amis. Hein, c'est ouvert ici. Ferme. Merci. Alors, sur les chaises, des fois, il y a des choses. Mais là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Oula. Elle est là ou pas, la vilaine? Ici, il y a quoi? Gertrude. Non, c'est bon. Allez, on y va. Tant que je croise pas Ginette. J'ai peur. Germaine, Ginette, on sait même plus comment ça fait. Gertrude. Oh. Mais... Ah là. Maman boui-boui. Maman boui-boui. Ok. Non mais viens pas là, madame. C'est bon, je suis dans une salle. Je l'ai semé. Pour une fois, je l'ai semé, Edmé. Je suis content. Bon. Mais il en trouve. Qu'est-ce que c'est? Mais il nous fait tout. Il nous fait tout le game. Il en reste 3. Et moi, bien sûr, je vais là où elle est. Mais il prend tout. Mais il y a quelqu'un qui commence à prendre tout là-haut, au mollo. Tac. Bon, je vais faire le tour. Hein. Bon, du coup, il est ouvert la... Il faut que j'aille à la poule. Tu peux aller à la piscine, toi? Hein? Quoi? Tu peux aller à la piscine? Vraiment, je vais essayer. C'est en bas? Parce que la personne a la clé de la piscine. Donc, je pense qu'elle a ouvert. Ouais, c'est ouvert. Bon, bah, j'y vais. Même si, bon, elle y est déjà, elle va prendre tous les trucs. Mais on n'est jamais trop de deux pour fouiller. Parce que moi là, j'ai vraiment plus de. Ah, t'es que tu rampes? Non, mais j'ai plus de. Ah, bah elle me course! Ah! Oh, 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 oh. Je me suis tué la gorge. Elle m'a trop fait peur. Bon, bah je rampe. Voilà! Oh, je suis en haut. Il reste 2 pages. J'ai la personne qui me suit. J'ai eu trop peur. Non, mais il y a quelqu'un qui est venu et pas pour rigoler. Hein. Prends tout depuis tout à l'heure. Et là, les pages et les clés. Ils sont 2, il me semble, en plus. Ah. Bon, je redescends du coup. Hein, je vais aller à la sortie. À cheval. Hein. Oh, il y a un medikit. Zut. J'en ai un, je peux pas en prendre un deuxième. Je descends. Alors attends. Où êtes-vous? À la sortie. Ok, j'arrive, je vais essayer de vous soigner et vite retourner prendre un medikit. Ah! Il reste plus qu'une page. Écoute, bah viens, on attend là.
Allez hop. Je te soigne. J'éteins, c'est jamais. Oh, je soigne Pink Swan. Bon allez, j'y retourne, je vais chercher l'autre medikit. Tayou, tout pour ma vie. Il est forcément pas loin le medikit, le medikit. Il est qui reste, c'est obligé. Il me fait peur celui-ci. Je l'ai vu juste là. Dites-moi que personne n'a pris. Yes. C'est bon. Bon bah je prends quand même le medikit. Je... Allez. Pourquoi je suis parti? On a sorti vite. J'arrive. Yam Comminges. Je cours. C'est qui celui-là? C'est bon. Oui. Bon, bah, écoutez... merci cher invité. Hein, voilà, mais... on n'a rien fait, on est pour rien. Du coup, on va. Je vais créer un nouveau lobby. Je vais voir si je peux pas bloquer les entrées parce que là. Voilà. On va faire la troisième map. Comme ça, on aura fait les trois maps aujourd'hui. Ah oui, je peux les kicker les players. Mais il n'y a pas d'option pour. Écoute, je vais kicker Laura. Désolé Laura, je suis désolé pour toi. Mais j'ai envie vraiment de faire une map avec juste Pink Swan. Mais j'ai pas de réglage donc je peux pas. Player, j'ai pas d'autres réglages. Écoutez, on fait start game. On verra bien si quelqu'un nous rejoint. Si Laura revient, bah, du coup, elle va se venger parce que je l'ai kické. Mais bon, c'est pas grave, c'est parti. Décompte. On y va. Lunch lady. Cette fois, on va dans la troisième map qui est la map avec la salle de sport, le gymnase. Sport. J'ai peur. Tu as les fesses qui font bravo, enfin. Oui. Oh, tu peux faire un concert. Elles font braver, ces mots. Bon bah écoute, on est trois. Hein. Ah ouais. Ah bah oui, quelqu'un. C'est impossible. Ah bah si. Faut peut-être régler ça dans les... Déjà ouais, ah bah c'est Laura, elle est revenue. Elle insiste, hein. Je l'ai kické, elle revient. Oh, mais elle prend tout, regardez. Peut-être qu'elle joue avec un truc de triche, tu sais, où elle voit en surbrillance à travers les murs où sont les objets. Je sais pas, mais elle va vraiment très vite pour possible. Trouver tous les objets, quoi. Ça me semble un peu... Il y a lunch lady qui est pas très loin. Mais entre nous, je ne vois pas l'intérêt de jouer comme ça. Mais chacun fait bien ce qu'il veut. Oh, mais si je t'ai kické, Laura, c'est pas pour venir. Si tu as eu un message de comme quoi tu as été kické, reste kické, Laura, enfin. Bon, ce n'est point grave. Elle voulait absolument jouer avec nous. Écoute. Donc là, il n'y a rien. Haha, j'ai déverrouillé les portes. Oh oh. J'ai entendu du bruit douteux. Eh oui. Un medikit. Moi, j'en ai point. Je suis le seul sans medikit. Je t'en cherche un. Attends. Je vis dangereusement. Oh, patate pourrie. C'était qui ça? Oh, patate pourrie. Bon, moi, je coupe ma... Moi aussi. Tu arrêtes. Églantine, tu te calmes. C'est bon. Attention okay. À toi. Elle est où Églantine? C'est qui ça? C'est derrière toi? C'est moi. Ok. C'est fait exprès. Je suis fermé, pas loin. Claude est continue et nous prend toutes les pages. J'ai peur. Coucou. On fait coucou. Du morse. Coucou. C'est bon. Coucou. Elle monte, on peut y aller. Attends. Mais elle prend tout. Mais c'est pas possible. Mais laissez-nous jouer, Madame Laura. Enfin. Alors. Là, c'est fermé. Il faut le staircase key. Là, c'est l'entrée. Super. Il me dit que je peux pas partir maintenant, je dois trouver toutes les pages. Duh, I know. Je pensais que, voilà, sur un malentendu, ça pouvait passer. Non. Ok. Donc, je vais dans le mauvais sens. Ce n'est point grave. Bonjour, Laura. Oh, elle est là-bas. Oh, ah, medikit dans la nursery. Oui, mais... Ah, mon Dieu, tu le vois ou pas? Oh, non. Ah, si. Mais ça, c'est à cause de Laura. Bien sûr, qui prend tout. Bon. Je sais pas où tu es. Ah bah, je suis à terre. Tout droit. Tu vas tout droit. Tout droit. Tu vas tout droit. Voilà. Je suis enfermé ici. Attends, j'arrive. Ah, c'est pas toi qui viens de me marcher dessus? Si. Mais ah, je mais elle est C'est la cata. Cette partie, c'est la cata. Ah oui, mais voilà. Voilà, Laura, merci. Hein. Il y a Laura, merci. C'est ça.
Laura, merci, hein, Laura. Merci. Bon. Bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, moi, je propose quelque chose. On va à la sortie. Vu au rythme où va Laura, on n'aura pas bien longtemps à attendre pour s'échapper. Voilà. Si elle veut tout faire, elle fait tout. Regarde, elle prend les clés, elle prend les pages. Fais tout, Laura. Amuse-toi. Regarde, elle continue. Vas-y, Laura, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, Laura. Hein, ouais, il y a sûrement une option à cocher. Ils ont dû... Ouais. Donc... Après, tu me diras, j'ai un Medikit, donc je peux t'envoyer encore. Hein, mais elle a été eue. Lobby mode ouvert. Invite only. Ah. Non, mais moi. Non, mais moi. Non, mais moi. Ça y est, je crée donc un nouveau lobby. J'invite uniquement... Pinkswan, de toute façon je peux pas inviter quelqu'un d'autre. Et on retourne dans cette map là. J'attends que Mademoiselle Tayo on the Moufette. Ah bon, alors on va par là. C'est fermé. Ça y est. C'est la nouvelle Laura. Là y'a rien. Et là y'a rien. Strictement rien dans cette salle hein. Inutile, merci madame la salle. Là. J'ai très peur. Il y a quelque chose, là, c'est pas possible. Et je peux pas enchaîner les salles sans rien. Ah, j'ai une clé. Le hallway B. Ah, un Medikit. Allez hop, ça c'est fait. Quelle heure était? Quelle heure il est? Un Medikit. Oui. Alors, le hallway B, c'est ça? Non, ça c'est staircase. Staircase on in the baby. Non, là j'ai déjà fait. Ah bon. Alors. Ah voilà, j'ai ouvert. J'ai pourri son groove. Alors. Collier. J'ai trouvé un petit collier, hein. Il me parlait. Je suis bien content d'avoir. Oui, collier. Bah, c'est collier. Je sais pas comment tu dis, moi, c'est collier. Oh. Merci. Oh. Ah, mais Medikit. Ah, mais Medikit. Mais ça y est, regarde sur le. Ok. Ah, ok. Tu vois? J'ai ouvert les escaliers. Hein. Du coup, je monte. Je alors, grimpe attends, la colline. Je fouille la nursery. Fouille. Il y en a un là. Fouille. Moi, je fouille à l'étage. Fouille. Tu t'en mets plein les fouilles. Ok. Avec télémagouille. On s'en met plein les fouilles. Hein. C'est quoi ici, ça? Il n'y a rien. Ah, cahier. Oh, ça m'a fait peur. Des fois, on crie. On sait pas si c'est une clé ou un cahier. Ah, c'est... Ça me fait sortir de mes... De tes goûts. Ça me sortir des grosses émotions, hein, ce jeu. Waouh. Tu vibres. Wow. Tu vibres des émotions. C'est cela. Tu as les émotions vibrantes. C'est quoi, ça? Tant que ce ne sont que les émotions. C'est quoi, là-bas? Une clé. Bah, dis donc, je trouve toutes les clés, moi. Je trouve pas de cahier, mais je trouve les clés. Écoutez, tant mieux. On va pouvoir aller à la gym, vous allez voir, elle est magnifique avec ma chérie. Ou patate pourrie, ou patate pourrie. Qui s'est passé? J'ai vu. Et j'ai un cahier. Je suis en bas là. Il faut que tu ouvres la gym qui. Ok, bah je l'ai. J'arrive. Bon, je n'ai pas complètement fini. Fini l'étage, mais j'arrive. Tac, tac, tac. Ah. Non, j'ai peur. Maman. J'ai pris un. Attends. Tant que je suis là, je fouille ici. Non, il y a rien. Je prends un petit détour, hein. Tu patientes un peu? Veuillez patienter. J'arrive, hein. Moi, je prends tout mon temps à l'étage. Ah, mon dieu, je l'ai en gros plan. Aïe. Je vais faire le tour, finalement. Voilà. Parce que je l'ai vu devant moi. Bon. Oui, mais je suis perdu, là. Je sais pas où sont les escaliers et elle est là-bas. Les escaliers, ils sont là où je suis. Oh, mais écoute. Oh. Ok, elle se barre. Ouais, mais viens vers faut moi. Il faut que j'aille à la nursery. Il y a un Medikit. J'ai peur. Elle était pas loin de là et maintenant je la vois plus. Elle joue à cache-cache ou quoi, la vilaine? Oh, je vais aller au bureau du principal, vite. Ferme. Non. Mais elle m'a frappé. Mais quelle vilaine. Mais c'est pas possible, j'ai jamais vu une vilaine aussi vilaine. Bon ben, je me souviens. Medikit. Vraiment, on a quatre cahiers quand même. Medikit, c'est bon, j'ai Medikit. Allez, mais barre-toi.
Moi, je suis dans le bureau du principal. Ok. Ok. Si je pouvais trouver un petit bidiquisé, ce serait sympathique. J'en demande pas beaucoup. Non, bah non. C'est à n'y rien comprendre. Bon. Eh bien écoutez, on va sortir. Voilà. Puis je vais tenter de rejoindre Pink. Et d'ouvrir. Bonjour. Là. J'espère qu'elle soit en bas. Elle est en bas, non. Comment elle a fait demi-tour? Maman. Elle a fait demi-tour. On était en attaque et je l'ai vu revenir en hurlant. Bon. Maman. Bonjour. Bonsoir. Ça va, la lumière dans les yeux? Maman. On peut y aller, tu crois? Ah non. Le cœur bat. Moi, j'ai toutes les clés. B, S, G, P. Allez, Tayo! Amigo, Danio. La gym, vite à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ok. I need to find a medikit. Ah. C'est un vrai labyrinthe. Ah bah super. Moi je prends à droite, tu prends à gauche. Ça peut être sur les bancs, ça peut être partout, en fait. Ouais. Sympathique. Hein. Allez. Medikit pour Monsieur Max. Y a rien pour moi. Je suis la dernière roue du carrosse. Mais oh mais. Il me tend ce jeu. C'est une malade mentale. Ah, c'est la gym. On ira après. Je vais d'abord regarder dans cette pièce. Et là, et là, et là. Ah, j'en ai un. En c'est plus, bon. Il est dans un endroit un peu paumé, donc je pense qu'on ira. Je suis dans le stade, là. Regardez comme c'est joli. Waouh, le parquet et tout. Bon, alors, astuce, il faut longer. Oh, longer la salle. Parce qu'il y a des bancs. Tac, 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 et après on ira au milieu. Je suis sur le banc, le cahier, justement. Et là, je peux monter sur le truc. Non. Tac. C'est quoi? Ah, je crois que c'était un truc. Une raquette. Une raquette. Voilà, c'est une salle de gym avec tennis de table à volonté, barre d'étirement, but, panier, filet de volée. Calme-toi. Ah, j'entends crier une Pink Swan. Oh non. Planque-toi, elle est pas loin. Ah oui. Je sais pas où je suis allée, je suis rentrée dans une salle, j'ai fermé la porte, j'ai dégagé. Elle rentre dans la... Elle m'a vu. En fait... Ah, ya boui boui. J'ai pas arrêté de me faire attraper aujourd'hui, hein, vraiment. Combien de pages? On en a 6. Bon, pas pages, cahiers, c'est des cahiers, c'est pas des pages. C'est des courriers. Elle est vraiment... Elle a une robe. C'est la dernière collection printemps, été, automne, hiver de Jean-Paul Goudier. Ah, oh, c'est ouvert. Elle me marche dessus. Ben oui, ben vas-y. Elle est là, hein. Elle est... Non, 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 recule, recule, recule. Va-t'en, hein. Va taillot, là. Oh, 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 moulou, hein. Ok. Comment elle est partie? Ah, bon, moi, je m'en vais, alors. Elle est toujours là? Je sais pas. Je remonte. Maman? Moi, j'en bats un peu, hein. Je prends mon temps. Ah, les toilettes, sympathique, mais j'ai déjà été ici. Bon, allez, je me soigne. Il est temps. Il est temps de se guérir et d'avancer vers d'autres univers. On y va. Guéris-toi, mon petit guéri. C'est parti. Bon, bah maintenant j'aimerais bien trouver un autre medikit, quoi. Si. Il y a sûrement des portes que je n'ai pas ouvertes encore. Il y en a une dans la nurserie. Oh, cahier. Bravo. À la nurserie? Mais je l'ai pas. Ouais. J'ai pas la clé de la nurserie. Mais si, enfin l'infirmerie, elle, mais non. C'était ouvert. Ah, si c'était ouvert. Maman. Oh oh. Je suis coincé dans les toilettes. Tu viens me tenir la porte, Claudette? Non mais alors, si tu viens, je te signale que là, je suis enfermée. Dans le noir. Non mais, allô, fin.
Hein, c'est quoi cette porte là-bas? On a été ou pas? Attends, des fois sur les étagères il y a des trucs. Pourquoi était-elle fermée cette porte? Pourquoi il n'y a rien ici? Pourquoi tant de questions et si peu de réponses? Je suis pas bien. Oh. Bon. Oh, il me tend ce jeu, c'est un truc de malade. Ah! Yes, je suis dans la nurserie en. Je trouve un medikit en même temps dans la nurserie, c'est normal. Ah, c'est là où ils soignaient les gens qui ont été maltraités par la nurse lady. La lunch lady. Ah, ils auraient pu faire le jeu aussi avec une nurse. Ceci dit, à mon avis, elle doit servir à tout faire dans ce lycée. Hein, parce que. Elle a dû éliminer la concurrence. Non! Oh! Comment j'ai fait? Comment j'ai fait ça? Je l'ai passé. Maman! Ah, elle a dégainé son couteau. Maman! Ah, d'accord, t'es là. Comment j'ai fait? Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. You did it, girl! Oh, mais moi, je peux pas partir parce qu'elle est là. Je suis dans la nurserie. Il nous manque 3 cahiers. Bon, je retourne à l'étage. Ok, je suis en off. Pourquoi elle fait go là? Parce qu'elle m'a. Parce qu'elle m'a vu, elle veut manger. Bon, cahier. Viens, petit cahier. Oh, j'ai peur. Ah, écoute, elle t'appelle, elle a envie d'un gâté de sushi. Non! Le cri qui venait de loin. Le cri venait de loin. J'ai ramassé un truc. Non! Comment j'ai fait? Je lui ai rentré dedans. Sérieux? Je lui ai rentré dedans. Bah ouais, au bout du donc. Je lui suis rentré dedans. Je suis passé à travers, elle m'a pas chopé. Quel est ce miracle de Noël? Enfin, la chance me sourit de nouveau dans ce jeu. Alléluia. J'ai un calendrier de Michael Jackson juste devant moi, ça doit être ça. Bon. Bah écoute, je lui ai échappé, tant mieux, hein. Bon, j'avais un medikit, c'est pas le problème, mais... Quand même. Voilà. Ouais, pareil, j'ai un medikit, mais bon... Tant qu'il est medikit. Bon, écoute. Maman. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait rien ici. Quand même très étrange. En même temps, je crois que j'ai toutes les clés, parce que je crois qu'il n'y a pas plus que 4 clés. Pourquoi elle fait... Écoutez, elle fait... Elle rigolote quand même, dans son domaine. Avec les bruits qu'elle fait, je la trouve drôle, moi. Drôle, c'est pas le qualificatif que j'emploierais pour la décrire. Super califragilistique, spiculidocieux. Ah, j'ai peur. Bon, je peux avancer ou pas? Ouais. I can do it. Bon, dans cette salle, il va y avoir quelque chose. C'est pas possible. Il nous reste 3 pages. Que 3 pages. Ouais, mais j'en trouve. Ah non, c'est la salle de musique. J'ai déjà fait en long, en large et en travers la salle de musique. Y a rien. Ah. Là y a rien. Sur les chaises. Il peut y avoir un truc sur les chaises qui sont sur la table. Non. Ça me semble un peu haut. Oh. Ça me semble un peu. Oh, elle est là-bas. Oh la morue. Je m'en vais. Hein. Oh, un medikit. Ok, je sais où il y en a un, au cas où. Bon, écoute, je me cache ici. Je suis pas bien. Pourquoi on trouve pas? Qu'est-ce qui se passe? Faut aussi qu'on pense à regarder les chaises parce qu'on ne prend jamais. Si. Pourquoi je t'entends courir? T'es pas loin? Sûrement. Mais ce bruit là, ça me dégoûte. Ça me fait peur. Bon, moi je m'en vais. Elle va me manger. Tac. On a peut-être pas été voir au bout là-bas. Attendez. Salle de musique, j'en peux plus de la salle de musique. Je n'en peux plus. Là, y a rien. On va aller jouer de la flûte, ça va l'endormir. Bon. Y a pas les escaliers. Attends. J'ai tout ouvert là ou pas?
Ah, les escaliers. Bah, si, les escaliers sont. Le cri. Le cri. Alors, final. Elle est. Oh oh. Alors, elle était dos à moi. Elle était dos à moi, mais. Comment dire? Elle. Attends, faut que je sorte. Faut que je sorte. Laisse-moi sortir. Méchante. Comment dire? Elle est méchante. Elle est vénère aujourd'hui. Je t'ai dit, elle est. Elle a mangé du vénère. Vieux. Ouais. Elle a mangé mon chat. Du bon mignon. Elle a mangé du bon mignon. Bon, maintenant, il faut que je trouve un médicament d'urgence parce que je me suis soignée, mais ça y est, je suis pauvre musiquite. Oh, patate pourrie, elle est là-bas. Aïe, 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 aïe. Il y en a un à l'étage, en haut. Cafétéria. Ah, elle est la clé ou pas? Bah oui. Bah, enfin, j'en sais rien. Je dis oui, mais oh, elle est là-bas. Est-ce que tu vois ma lumière, là? Non, attends, venez vers moi, j'ai dû tailloter. Ok, je... Ah non, on a pas fait. Mais pourquoi? Attends, comment elle a fait? Elle était loin. Quelle tricheuse, cette Bernadette. Non, elle m'a attrapé. T'as un medikit? Ouais. J'attends quelques instants, attends, je rejoins. C'est où la cafette, hein? On va à la cafette, Lali, hein? C'est au bout d'un... C'est au bout d'un long couloir... Non, mais... C'est au bout d'un... C'est au bout d'un long couloir... Il y a des casiers rouges à gauche. Tout au fond, il y a une porte vitrée, c'est la cafétéria. Ben, je vais voir si je l'ai, hein. Attends. Pas bien. Pas bien, la madame. Elle est pas bien, la madame. Pas bien. J'arrive, mais je suis perdu. Je crois que c'est en bas. J'attends de voir une lumière pour te faire. Parce que là, j'étais ma lumière. Quoi? Bah. Elle est à mes trousses, quoi. Une fois, mes équites. Pitié. Je suis planqué. C'est mort. Non! Ah! Elle m'a fait peur! Elle m'a fait peur, là, mais là... Oh! Bon, bah... T'es mouru? Ouais. C'est fichu, bon, bah... donc, hein. Bah, ouais. Pourquoi? Oh, ah, t'es debout, toi? Oui, je suis debout. Ah, mais c'est pas fichu, alors! J'ai cru que c'était la fin! J'arrive en rampant, hein. Ah, c'est ta lumière que je vois là-bas? Sûrement. Je suis rentré. Ah, tant pis. Jamais dit quitte. Où que t'es? Je suis dans une salle. J'ai paniqué. Dans une salle. Attends, je suis là. T'es où? Ok, viens. Ah, ok, j'arrive. Bout. Il faut aller tout au bout de cette rue. Ouais, j'y vais. Je crois. On y va en rampant. Je sais où il y a un medikit, c'est à l'étage. Ah. Ouais. Alors, attends. Ne bouge pas. Non, mais il y en aura un autre. Attends, je vais ouvrir la cafette. Ah oui, mais je peux pas l'ouvrir, la cafette. Et non, c'est pour ça. Attends, bouge pas. Comment qu'on fait déjà? Comment qu'on fait? Comme ça. Bonjour. Non, comme ça. Mais comment je fais? Faut bien viser, en fait. C'est un peu compliqué. Faut bien viser et faire la... Voilà. Ah, c'est bon. Oh! Mais allez! Ah! Qui était presque. Oh! La ralence. Ok. Au fond... Et après à droite, la cafette tu l'ouvres comme ça. Aïe. Yeah. Mais non, c'était. Non, c'est pas là. C'est ici. Là, j'ai ouvert les escaliers. Là. Voilà. Ah bah je l'ai pas. Tu l'as pas? Oh, non. Mais je me disais bien, j'ai pas la clé avec un C. Bon. Nous devons donc trouver la clé. Ceci dit, ça nous a permis d'ouvrir ces escaliers qui n'étaient pas. Ouvert. Mais alors on n'a pas vu de clé, hein. Enfin, m'a pas semblé voir des clés là. Hein. Je sais pas. C'est peut-être dans la gymnase. Non, y a pas de gymnase. Mais si. J'ai regardé en long, en large, en travers, y a rien du tout. Ah. 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 Ici. Ah. Et elle est là? Non, elle crie, mais elle est pas là. Elle fait son intéressante, la madame.
Bon. Clé. Là, y a rien. Clé nounette. Je l'entends. Elle est où? Je sens que je vais lui faire un gros câlin bientôt, moi. Oh oh. Oh purée. Taillot. Taillot. Mais elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Oh punaise. Planque-toi. Aïe. Aïe, me bloqué. J'aime trop comment on fait. La taille, planque-toi, t'as la lumière vie. On adopte des réflexes de survie. Mais grave. Bon, je retourne dans le gymnase, c'est pas possible. Au moins dans les couloirs, dans les vestiaires, dans les toilettes. De Claudette. Faut regarder aussi les chaises, c'est sûr qu'on a oublié quelque chose. Ah bah oui, 3 cahiers et une clé. Là. Attends, là. Je retourne dans ma non. zone, là où j'avais été. Là, plus non. Les clés sont vraiment là. Petites. Non. Là, non, là, non, là, oui. Ah non. Ici. Et là. Sur les grosses poutres, non. Oh. Oh. Eh, la flippée, la boui. Mais vilain. Ouais, je sais. Gros vilain. Je suis un gros vilain, gros coquin, gros gourmand. Ah. Attends, parce qu'il faut pas négliger la table de ping-pong. Non, y a rien. Y a rien. On se fait un petit ping. On se fait un petit ping-pong. Un ping et un pong. Un ping, un ping, un pong. Y'a rien, je cogne le micro à chaque fois. Par là. Mais ça m'énerve. Bon. Vraiment? On a rien là? Qu'est-ce que c'est compliqué possible. Ce jeu là? Il se moque de nous. Il Et là, un medikit non plus? Bon. Non. Oui, oui. Moi j'en ai un. Et là? Non. Quelque chose? Non. Mais arrête! Une clé! La clé! La clé! Ah. La. Bah viens alors, c'est la cafette. Oui. Attends, je te suis. Viens, on va à la cafette, la lien. Bon, à mon avis, les trois pages seront là-bas. C'est obligé. Oh oh. Maintenant, Chala, maintenant, Chala, elle est pas là. C'est par là. Tu me suis toujours en. Ouvre donc la porte, hein. Les deux portes, les deux portes. Ah, je sais jamais. Non, tu veux pas? Attends, mais comme elle nous court après, je Mais je, non, je, mais je. Non. Et hop. Mais si. Ah, mais tu quittes. Ah, mais tu quittes. Oh oui. Oh, tu viens. Ok. Oh. Elle est là. Elle est là. Elle arrive vers toi. Je suis pas là. Je suis pas là. Elle arrive vers toi. Non, je suis pas là. Je suis pas là. Ah. Ah. Je suis pas là. Je suis pas là. Je ne suis pas là. Ok, elle monte. Elle monte? Elle est repartie? Bah, apparemment. Ici. Ok. On y va. Mais allez, cahier! Il en manque deux. Deux. Oh. Il y avait rien là-bas? Je sais pas, je me suis faufilé. Comment faufiler? Ah! Ici. C'est ici. Vous les faufiler? Non. Il n'y a rien. Là, non. Oh, tout ça pour un cahier. Ah, sérieux. Il y en a un. Il n'en manque plus qu'un. Let's go. Un seul cahier. Et on a gagné. Un seul cahier. Et on a gagné. Un seul cahier. Et on a gagné. Bon. Merci. Regardez bien les chaises, les chaises, les chaises, les chaises. Ah, les Pink Swan. Ah, les Pink Swan. Allez. Bah. Je suis pas bien. Si, Pink Swan. Allez, si, pas loin. Si. Je l'entends gros. Et la vieille. Si, si. Avec ses dents pourrites. Allez, Pink Swan. Allez. Allez, Pink Swan. Allez, Pink Swan. Tous en cœur. Oh, oui. C'est où la fille? Elle a tout donné. Je suis tout fait. C'est où? C'est là, j'y suis. Oui.
Bravo, on a gagné. Bravo. Ah, félicitations, ah, c'était formidable. Vraiment une partie d'anthologie. On a gagné 2 parties sur 3. Eh, très bon score. Bravo à Vinswan, bravo à Lunch Lady. Bravo aussi à Laura qui nous a rejoint. Sacré Laura. Et alors, qu'as-tu pensé de cette partie, Pink? Toujours autant d'émotions? Je suis fusée. Elle en veut plus. Elle est au bout de sa vie. Eh ben écoutez, c'était vachement cool. J'apprécie. Waouh! Et voilà pour cette énorme partie de Lunch Lady. J'espère que ça vous a fait plaisir de retrouver Pinswan et Lunch Lady dans cette longue vidéo. Voilà, c'est spécial, un peu les vacances. On s'est fait peur, on a rigolé. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse du Lunch Lady. Peut-être même avec Victor, pourquoi pas sur cette chaîne. Avec Pinswan, évidemment. N'oubliez pas de laisser un max de pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et partagez cette vidéo au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!